tous, là, vous allez voir, c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, on est le premier jour de la deuxième semaine, les gars. Donc, l'épisode, je sais pas combien, mais il y a tellement d'épisodes, je crois qu'on est à l'épisode 5, je crois, ou 6, non, 6, c'était bien. Ouais, je sais plus. Aujourd'hui, les amis, on est encore dans la Rotobèche. Ouais, on va dire, putain, mais je fais que ça. Oui, oui, je fais que ça en ce moment. C'est énorme ce que j'ai à faire. Sachant que j'ai encore une grosse parcelle encore à faire. Et disons que là je suis à 1 km/h. On va aller bien vite avec ça. Non mais je suis obligé de rouler aussi lentement parce que comme vous voyez ça se coupe pas mal derrière. Après vous l'avez dit déjà dans les dernières vidéos, ça se coupe pas mal, donc du coup je suis obligé de ralentir au max, au minimum je veux dire, pour essayer de faire un truc le moins possible. Après dès que ça se fait j'augmente un peu, hein, voilà, pour aller plus vite. Bon, il y a plus haut, on prend très vite. Il y a un tuyau en place sous le passe-pied. Là, juste là, je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, si vous voyez quand même. Donc, on est toujours avec le même ensemble, les gars, le 6230 et le Rotobèche Tsubaki, ou je sais plus trop quoi là. On est toujours avec le même ensemble. Alors, attendez, revue. Tant qu'il avance un petit peu, on va juste essayer. Ouais, voilà, de mettre ça sur la ligne d'eau et non sur le passe-pied. Ah ouais, ça va être emmerdant. Sinon je fais comme tout à l'heure j'ai eu le même problème. Ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu que le tracteur passe pour la remettre dedans après, parce que c'est un peu bordel des fois. Mais je pense que là c'est ce qui va se passer, à moins que s'il y a ah, tiendra pas. Ah si, peut-être comme ça, peut-être que comme ça ça passe, là ça passera. Ce que je pense c'est que je vais rester là au cas où. On va regarder si ça passe. Si, mais normalement ça passe. Normalement ça va, regardez. C'est à peu près au même niveau, puis ça passe tout juste pile poil là-bas. Donc ça devrait normalement passer. J'espère. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très très bien. On a entamé la deuxième semaine, et en plus c'est une semaine de 4 jours, vendredi c'est férié. J'ai le seum. Moi j'ai le seum. Alors attention, le tracteur arrive. Le tracteur arrive. Voyons si ça passe. Oh oui, je pense que ça passe. Oh les gars, ça passe. Oh magnifique. Ah, ça touche un peu, mais ça va. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Bon, on va rentrer dans le tracteur parce qu'on arrive bientôt au bout. On arrive bientôt au bout de la planche. De la planche de jouet. Hop là. Hop, du coup, on va gérer quand même. Ah, mais. Bon bah du coup les gars, on arrive quasiment, j'ai bien dit quasiment à la fin. Il reste 5 planches là, plus une planche là à faire, donc en tout il en reste 6 à faire. Oula, ouais, attendez. Donc en tout les gars, il nous reste, allez, 6 planches à faire maintenant. Il en reste 6 planches à faire, donc ça devrait aller à vite, je sais pas, mais parce qu'il faut que je sois à l'entreprise à 15h30. Parce que mon père il travaille aujourd'hui et demain, donc il faut qu'on parte aujourd'hui à 15h30, parce qu'il faut qu'on passe, chercher des cartons pour les pipes et mon père, oui en face quand même, parce que c'est pas fini, hein, il reste, mais bon, donc, il faudra aller chercher ça, puis les lieux de part aussi, je sais plus. Donc voilà, donc il m'a appelé à midi, il m'a dit rendez-vous 15h30 à l'entreprise pour partir aussitôt parce que sinon voilà. Et donc on va décliner, écoute. On va essayer. Et on est reparti. Et sauf que je sais pas si j'aurais terminé avant 15h30. Enfin si, non, j'aurais terminé avant 15h30, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'aurais terminé avant 15h? Pas sûr. Est-ce qu'il est actuellement... il est 15h30, bientôt. 14h30, pardon. Il est bientôt 14h30. Pas sûr que j'arrive à terminer avant. Donc ça va être bordel. Ça va être très chaud. De finir avant 14h. Avant 15h. Enfin, je parte vers 15h de là. Pour arriver vers 15h20 et quelques. Je voudrais graisser la machine derrière quand même parce que je l'ai pas fait vendredi, je voudrais le faire aujourd'hui quand même. Bon c'est bon, j'ai changé, j'ai mis la coque. Oui il faut savoir les gars, j'ai pris mon ancien téléphone pour filmer. Donc si quelqu'un m'appelle,
moi j'ai mon téléphone normal, mais aussi quelqu'un m'appelle. Du coup j'ai pris mon ancien téléphone pour filmer, donc c'est normal que c'est la qualité n'est pas pareille. Voilà. Mais voilà, vu que mon ancien téléphone il n'y a pas de coque, et ben sur la perche il glisse, c'est chiant. Du coup j'ai changé de coque, enfin j'ai pris la coque de mon téléphone normal et je l'ai mis sur le téléphone là. C'est pas la même mèche, mais bon, ça passe. C'est pas la même marque, mais c'est pas pareil. Là je filme avec un Wiku, l'autre c'est un merde, c'est un Redmi, c'est pas pareil. Donc là les gars, il va nous rester 5 planches après celle-ci là. Donc là c'est la dernière de cette ligne d'où là. C'est la dernière planche. Et après on a 5 planches à faire là. Donc on a quoi encore s'occuper cet après-midi. Pas sûr que j'arrive à terminer aujourd'hui, mais je vais voir. On va voir. Il me reste une planche, alors là je vais le seul. Evan, est-ce que tu as ça m'énerve, ça m'énerve. Maintenant, on est droit. Pas de surface. Bon, je le dévie un peu, ouais. Attends, c'est pour en mettre en A2 là. Voilà. Là les gars, la partie du haut, j'ai fini ce matin. J'ai terminé ce matin la partie qui est en haut là. Et j'ai continué celle-ci. Donc j'ai fini la partie de la ligne précédente. J'ai commencé celle-ci. Non, je vais même pas commencer celle-ci. Non, j'ai commencé cet après-midi. Mais non, j'ai terminé la ligne précédente là-bas. Et putain. J'ai perdu un disque. Alors là c'est la merde là. Bah on va rentrer. Il n'y a plus qu'à rentrer. Bon bah merde. Il n'y aura plus qu'à revenir demain. Merde. Et là attends, il vient grossir là ce con. Non c'est bon. Ah ouais, d'accord. Ça si tu veux, ça vient là. Ah ouais, c'est... Comment ça peut se dévisser? Ça se visse? Bah là, attends, parce qu'il doit avoir un autre filetage. Ouais, ok, c'est là. Merde. C'est le bordel là. Il a sauté, c'est que de base sur le filetage il y avait une petite goupille qui va là je sais pas si vous voyez,
en gros, une petite coupie qui va juste. Ouais, qui va juste là. Et en fait, c'est elle qui a sauté. Et donc, le bus il s'est barré. Mais là, pour retrouver la petite coupie, elle est tombée. Là, il n'y a plus qu'à rentrer et puis. Qui réparer ça, quoi. Donc, de toute façon, il est 15h, donc. Bah, on reviendra demain, il reste 4 planches, quoi, à faire. Ça m'emmerde, mais bon. Tant pis, faut faire comme ça. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Donc, le disque. Le disque, je vais le mettre où? Je le mets tout le disque. Parce que là. Si je le pose sur la machine, première secousse, le bordel il se barre. Il tombe. Et si je le mets dans le tracteur, j'espère qu'il n'y a pas assez de place. Ah, attendez, déjà ça. Attends, on va essayer de le mettre dans le tracteur. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est la goupille qui s'est barrée. Enfin, normalement, parce qu'il y a une petite encoche, exprès pour ça. Donc, depuis le début, j'ai pas mal de soucis, moi. Depuis le début, j'ai pas mal de problèmes avec le matériel, là. Enfin, surtout avec la rotopêche. Surtout, après, je sais que celle-là, elle est pas la meilleure. Ils en ont une autre qui est meilleure, mais je crois qu'elle est déjà utilisée. Elle est pas là, je crois. Je vais fermer la porte quand même parce que la porte ouverte sur la route, chelou. Bah, disons qu'elle peut se barrer, ça m'est arrivé déjà. Avec la rotopêche bleue, tiens. Ça m'est arrivé. C'était en venant ici. Et puis j'ai pris une route où il y a pas mal de monde, où ça roule assez vite. Au moins de rouler à 40 maximum. Mais une route qui était limitée à 80. Et puis. Puis je roulais tout, la porte, pas moyen de la fermer, elle voulait pas se fermer, je pouvais claquer, elle voulait pas. Du coup, j'ai juste essayé, tu sais, juste comme ça, sans claquer, sans rien. Ah, c'est barré une seule fois comme ça, bon là, tout va bien, je vais la tenir. L'autre fois, j'ai barré de ma main, elle a éclaté, il y a plus de suite. Donc, seul. Voilà. En même temps, ça va permettre de souffler puis de le graisser en même temps. De toute façon, je la reprendrai demain la planche, tant pis. Je la reprendrai demain, parce que j'ai un petit bourré dessus, mais bon, c'est pas grave. Je la reprendrai demain la planche, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, y'a personne. Bon, je vais m'arrêter au stop et puis je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là et je vous reprendrai à la maison, les gars. Hop. Vas-y, à tout à l'heure, les gars. Bon, du coup, les gars, j'ai complètement zappé de vous reprendre à la fin de la vidéo. Mais ce n'est pas grave, je fais la fin de la vidéo comme ça. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire, la petite cloche. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et puis, au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.